Ça va? Ah, wow, ça sent bien. Fait elle maintenant? Alors, ça, je trouve que ça donne quand même. C'était une demande des parents aussi, là, au fil des ans, parce que c'est notre troisième année quand même. Ouais. Tu sais, les enfants, ils aiment ça recevoir une revue, hein. Moi, j'ai fait ça. Les abonnements. Ah, les abonnements, ils adorent ça. Maman, est-ce que la revue arrive bientôt? Bientôt? Mmh. Tu vois qu'il anticipe, il y a 7 ans, il va avoir 7 ans au mois de novembre. Okay. Donc, je vais retourner au lion. Mais là, c'est le même lapin. Ah, ici, on dirait une girafe, par exemple. Mais c'est une girafe qui s'est déguisée en toutes sortes de choses. À moins que ce soit toujours le même lapin. Comme papa. Oh, non, non, on lance pas les lits. On les dit pas. Bien, Sophia! Comme papa. Mila l'a beaucoup aimé celui-là. Et c'est une bonne fée. Quand je suis triste, elle me fait rire. Ne pas trop traîner ici. Quel dangereux personnage demeure dans cette taudie. Tu veux tourner la page? Tu peux tourner la page. Regarde, c'est quoi ça? Il dit, you, mon bébé. Ça va être la vrai? Oh, oui. C'est comment, là? La porte qui grince. Oui, ça va. Il y a une grande famille. Il y a des places.
on est prêt pour le spectacle? Oui! Oui! Plus fort encore parce que... Oui! Ils ont dit aller se coucher debout là! Vadrouille à roulette qui sont venus vite. On dirait deux vieilles balles de ping-pong. Hein? 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 Bonjour, mon copain! Joyeux Noël! Ah! Oh! Ah! 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 Merci d'avoir été là et bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alors bonjour les amis, bonjour les papas, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans. Alors quand mes petites, quand mes filles étaient petites, je leur racontais des histoires. Aujourd'hui, c'est aux petits-enfants que je raconte les histoires. Je vous invite à le faire parce que c'est des moments d'intimité avec nos enfants. C'est des moments de magie. Alors, continuez à leur donner le goût de la lecture. Passez du temps avec eux en leur racontant des histoires, en leur faisant apparaître des robots, des monstres, des bonbons. Les bibliothèques sont là pour vous accueillir. Profitez-en. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'été. Alors, la grande gagnante, la première, mais il va en avoir tout plein, Sophie Douchniouk. Je pense qu'on va aller là-bas. Est-ce qu'on va là-bas? Bravo, Sophie, tu vas aller choisir un beau livre. Tu vas aller choisir un beau livre. Tu vas aller là? Tu n'es pas castable? Le deuxième gagnant, c'est Félix Fortin. Est-ce que Félix est là? Bravo, oh, Félix! Est-ce que tu me donnes un beau bisou, Félix? Oh! Tu vas-tu pas dire un beau livre? Hein? Bravo, Félix! Tu vas regarder. Tu veux celui-là? Lila Rose Cardinal. Tu dis merci? Ah, il m'a donné un même un beau bisou, certificat cadeau, il m'a donné chercher. Est-ce que Théo est là? Théo. Alors, Théo. Oui, Théo. Un peu de confiance. Est-ce que tu me donnes un beau bisou? Oui, un beau bisou. Là, j'aurais été jaloux, par exemple. Là, j'aurais été jaloux, là. Donc, c'est quoi? Oui, Maxime Guillemet. Maxime, est-ce que Maxime? Alors, il y a le carnet du parent lecteur, un exemplaire qui vous sera remis à la sortie. Alors, dans le carnet du parent lecteur, enfin, vous avez des trucs pour faire de l'animation avec les enfants. Alors, merci de votre participation et à l'année prochaine. Bravo! Merci beaucoup. Ah, oui. Je suis vraiment contente que vous l'ayez gagné. Qu'est-ce que tu as appris comme livre? C'est ça que tu as choisi? Dora. C'était elle qui a gagné le livre. Oui. Elle est très contente. Ouais. Merci beaucoup. C'est la chance à vous. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on vous allez regarder? Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas les prendre. Oui. Et après, je pourrai venir avec un ami pour aller chercher n'importe quand. C'est ça. Oui, il faut que j'appelle avant. Je vais vous donner le numéro de téléphone de Julie.
Parce Julie qu'on... qui est ici. Oui, venez avec moi.